monde, c'est Diablo, et on est parti pour la mission numéro 6 de la GLA. Un groupe dissident de la GLA a renié notre cause et s'est allié aux dragons pour nous combattre. Cette trahison ne peut rester impunie. Attaquez leur convoi et coupez leur ligne de ravitaillement. Puis écrasez les renégats et leurs maîtres chinois. Donc on est parti pour la mission numéro 6 de la GLA, la suite du display cinématique. En position. Convoi repéré. Soyez prêts. Général, un groupe de traîtres a trahi la cause de la GLA. Nos espions confirment qu'ils se sont alliés aux Chinois pour nous détruire. Les Chinois leur fournissent des armes nucléaires. Le convoi qui les transporte pénètre dans la région à cet instant même. Nous allons nous emparer du convoi par surprise et montrer au monde tout ça. Amenez le convoi dans la base des renégats et faites exploser les camions, qu'il n'en reste pas un seul. Leur base est ici. Nous avons établi cette base pour vos opérations, général. Ok. Bon. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Je pensais que cette mission serait dans RH, en fait. Qui aurait une mission contre les renégats, en fait, non, c'est la mission numéro 6, je l'avais oublié. Donc, on va pouvoir déjà mettre les points de compétence hein, dans les grades. Donc, je vais plutôt me focaliser sur la thune, hop, et débloquer aussi des scuts. Voilà, et je pense qu'on va débloquer encore des étoiles pour atteindre le rang 5. Donc, la bombe anthrax et je pense des soldats en plus. Ça sera pas du luxe. Le tank maraudeur. Personnellement, je l'utilise jamais hein, en escarmouche, etc. Donc là, je vois pas trop l'utilité. Après, les pirates de la route, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que dès qu'ils se déplacent, ils sont visibles. Donc pour atteindre les véhicules qui sont en patrouille, ça peut être compliqué. Alors, on va commencer par faire. Il n'y a pas de meilleur que vous me voulez. Trafiquant d'armes. Hop, on les met. Je vais tâcher de faire vite. Donc, on va peut-être déjà prendre un peu connaissance du terrain. Donc, ouais. Normalement, il devrait pas y avoir d'unité qui arrive par ici, mais bon. Dans le doute, on va quand même déplacer les ogives. Notre route est tracée. Le but, ça va être de devoir les déplacer pour attaquer. Tel est mon destin. Attaquer ceux qui sont en haut, voilà. Mais je crois que de mémoire, après, on débloque une autre partie de la map pour attaquer les Chinois. Parce que là, voilà, dans 10 minutes, il y a les Chinois qui arrivent, même pas dans 7 minutes bientôt. Donc, on va peut-être penser à améliorer les défenses. Je crois que de mémoire, ils reviennent par ici, hein, les Chinois. Donc, il va peut-être falloir un peu défendre. Je fais ce qu'on me dit. C'est du boulot, on a fait notre boulot. Des bombes. Et ouais, je vais peut-être construire 2-3. 2-3 missiles mobiles. Ensuite, on va faire. Déjà, on va mettre un peu plus de pions pour ramasser. Donc là, on a des caisses, hein, c'est pas un dépôt. Comme on a l'habitude de voir dans les autres maps. Là c'est plus des caisses. Bah, lui par contre, lui il a un dépôt. Vous voyez un petit peu la différence hein, pour ceux qui ont pas trop vu les anciens épisodes. Char Scorpion. Donc là, bon, visiblement on a pas mal de défense quand même. On a de quoi. Lance-missile installé, général. Ah, ouais, bon. De toute façon, je pense pas qu'ils vont nous attaquer. Hein. C'est juste les Chinois peut-être quand ils vont arriver ici par ici. Par ici, pardon. Je travaillerai. Ouais, donc là j'ai fait l'amélioration. Moi je pense c'est l'amélioration voilà, pour rendre des bâtiments. Peut-être que j'en aurais besoin, je sais pas. Peut-être qu'au milieu il y a des dériques ou là. Donc, on va peut-être explorer d'ailleurs avec un péon. Le grand ordre régnera. Tant pis s'il meurt. Ensuite, donc là j'attends qu'il ramasse un peu de thunes. On va faire un palais. D'accord, je vais pour la révolution terminée. Voilà. Il n'y a pas assez de place ici pour construire. Il n'y a pas de meilleurs outils. Un guerrier est tombé. L'unité qui patrouille. Amélioration terminée. Ouais. Je pense que. Ça m'étonnerait pas qu'il m'attaque quand même. Qu'est-ce que vous me voulez? Donc on va faire un piège. Donc là, c'est quand même 400. J'aimerais du mieux que je peux. Mieux que ça explose. Les tunnels nous protégeront. Char léger de la GLA. Nous devons protéger. Char Scorpion. J'ai mis ça attaque.
Donc les terroristes, hop, on peut les mettre dans des bagnoles. Prêt pour l'impact. J'en ai un là, ouais, j'en ai un ici. J'aime la foule. Voilà, ça c'est la particularité que je voulais pas montrer dans les épisodes précédents, mais les terroristes peuvent infiltrer les véhicules civils. Ce qui permet d'aller plus vite. Nous devons rendre justice. Puis c'est bien fait parce que voilà, ils sont déjà prêts. Mon véhicule est prêt pour l'impact. J'ai mis à côté, au cas où. Puis on a des véhicules de secours. Voilà. Donc pour l'instant, on va pas trop, trop s'attarder. On va peut-être envoyer deux véhicules sur les patrouilles. Je manœuvre. Ça va même nous permettre d'explorer un peu. Là, disons, les équipes sont abandonnées. Il y a des ressources ici. C'est intéressant. J'achèverai ma si on arrive dans les missions un peu plus compliquées. Hein. Rien ne m'arrêtera. La 6 et la 7. Je manœuvre. La 5, j'aurais pensé que c'était plus compliqué, mais au final, on s'est débrouillé assez. Je suis débrouillé assez bien pour. Elle marche bien, elle marche bien. Bon, visiblement, il n'y a pas grand chose de ce côté-là. Salut à ceux qui arrivent sur l'œil en même temps. Le camouflage permet aux rebelles de rester invisibles tant qu'ils ne tirent pas. Elle marche bien. Nous devrions envoyer une manœuvre. Là, il y a des Derrick à capturer. Ça nous permet d'avoir plus de ressources. Donc, cette partie de la map n'est pas occupée. Je suis au volant, elle marche bien. Ça va être intéressant. J'achèterai ma carte. J'espère que ça explose avant que ça. Un guerrier est tombé. Puis, pas grave. Mon véhicule. Il y a quand même des défenses. Je suis en route. Je suis en route. Elle marche bien. Je manœuvre. Bon, manœuvre. On verra la map. Je passerai. Par contre, c'est pas invisible. Hein. On peut être attaqué. Les renégats ont repéré notre route. Préparez-nous au combat. Ça explose aussi. En étant GLA, chaque fois qu'on tue quelque chose, ça rapporte de la monnaie. Ne me frappez pas. Donc voilà, le palais est fait. On va commencer à faire les marchés noirs pour avoir plus de thunes aussi. Je peux pas ici. J'obéirai. Je peux avoir des chaussures. Je peux en mettre plusieurs de bombes parce que ça coûte quand même 400. Vous changez souvent d'avis. On va faire un marché ici. Je peux pas ici. Voilà. On va commencer à faire une petite armée quand même. Hop, des quads. Bon, l'argent descend assez vite, donc ouais, ça va peut-être intéressant de peut-être faire une défense là, faire un avant-poste, récupérer les ressources ici. Après là, j'ai pas exploré, ouais, y a les ressources là aussi. Mais bon, ça devrait pas trop être compliqué de les détruire, même si là, ouais, visiblement, il faut quand même pas mal d'unités. L'unité qui patrouille, il vaut mieux pas que ça attaque. Pour l'instant, on va pas les taquiner, on va rester sur nos positions. Ouais, ça construit. Après je pourrais envoyer les têtes hein, parce que c'est fait pour hein. Ça c'est missile nucléaire, c'est fait pour les défoncer, mais bon, je perforge le que j'enverrai une fois que j'aurai percé les défenses. Après il n'y a pas grand chose hein. Faut dire hein. Après c'est ce qu'on voit hein. Donc pour l'instant on voit que ça, c'était pas celui qui les a construit autre chose. Puis ouais, les chinois vont bientôt arriver, donc à la limite plutôt mettre ça quoi de rapport là. Je vais y aller. Deux billets, un missile scott. Quoi, il est bientôt fini. Qu'est-ce que vous voulez pour l'instant, attendre que j'ai assez pour faire un marché, c'est 250. Enfin 2500 plutôt. Pour un marché noir. Un deuxième de fée. On peut pas vivre en fonction terminée. On va mettre un tunnel là. Un tunnel. Ça, y a pas de meilleur avec des sortes, on peut les foutre là-dedans, puis après on peut les déplacer un peu partout. Ah, bon, ça fait est tombé. Bon. L'ennemi a construit un site scout. Aïe aïe aïe, site scout, ça par contre, ça fait mal. Nos foyers sont en danger. Normalement on doit pouvoir le voir, le missile scud est là, il est en campagne, il est caché. Ouais. Il est caché, donc il doit être en sa base. Les troupes chinoises s'approchent, elles doivent chercher le convoi. Préparez-vous au combat. Ouais, chinois en plus. Donc ouais, hein, comme quand j'ai dit que c'était assez compliqué, c'est que ouais, ils vont finir par nous attaquer des deux côtés. Donc ça, on va mettre ça dedans. Je trace ma route, je les laisse sur place. Quatre canons près. Un guerrier est tombé. Là.
guerrier est tombé. Notre terre est menacée. Bon, en fait, là, je vais juste sortir à la chaîne. Léger de la GLA. Oh, tous 5 minutes, tous les 5 minutes vont nous attaquer. Hop, on va continuer à lancer un missile là. On va essayer d'améliorer en anthrax un peu plus puissant. Voilà, et anthrax. Je vais aussi faire le camouflage pour les rebelles. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer la dernière fois que j'en refasse. Je roule seul. On va défendre, j'ai pas la patience pour ça. Aussi un peu de scorpion. Bon, le Stinger par contre là ça va faire mal s'il le balance, donc on va aller assez vite attaquer quand même. Qu'est-ce que vous me voulez? Sachant que nous on peut pas en faire de Stinger. Enfin de Mrs. Cut. Je vais essayer d'explorer un peu à droite là, parce que ça se trouve. Il y a peut-être des dérives cachées. Accrochez-vous! Ça c'est possible en campagne. Ils sont... Oui, je sais! Je roule toujours! On a tendance à mettre des dérives cachées. On est en route! Soit des ressources, soit des. On est en route! Des bâtiments. J'ai grave! Accrochez-vous! J'ai grave! Nos foyers sont en danger! Accrochez-vous! Je vais attaquer encore. Oui, je sais! Quoi? Ouais, ouais, oui. Ouais. C'est pas mal. Si c'est ce que vous voulez. Partons au combat. Nous disposons maintenant de camouflage. On est en route. Ah, il y a une partie explosée ici. Partie explosée qui est random. Ça, c'est qui? Ça veut dire qu'on peut capturer cette partie-là. Oui, je sais. On est en route. Obtenir des ressources. Un guerrier est tombé. Je roule toujours. J'ai craqué. On va les écraser. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il va rester ici pour l'instant. Vous voyez, hein, quand on s'attaque un petit peu de manière évidente. Je pense que je vais pas pouvoir échapper à la première. Un guerrier est tombé. On va suivre. Oui, compris. Chut, je sens le danger. Ouais, je pense que là ils vont pouvoir balancer un scud dans pas longtemps. J'aurai pas le temps d'attaquer sa base. Donc je vais devoir essuyer un missile. Ça risque de faire mal. Notre base est en péril. Un guerrier est tombé. Ouais, il est bon. J'avais un peu moins. Tant pis. Je suis courageux. Faut pas oublier hein, de récupérer des. Une volonté de faire, j'ai peur de rien. J'ai toujours pas atteint le niveau. Ne me frappez pas. On va continuer à faire des marchés. Ça, je vais en faire plein de marchés, faut pas hésiter. Ça rapporte 25 à chaque fois. Ça fait la thune supplémentaire. Notre clan est fort. Je roule toujours. On est en route. On est en route. On va faire attaquer. Accrochez-vous. À chaque fois, il m'attaque. Hein. Il m'envoie des trucs. Nos foyers sont en danger. Hop, on va commencer un peu à monter de thunes. C'est bien. J'ai bien fait de faire les marchés parce que ça rapporte à chaque fois. Je peux avoir des chaussures. Et eux, par contre, on va les envoyer dans une jeep. Puis on va essayer de les envoyer. Je peux avoir des chaussures. Là, essayer de capturer tout ça. Un avant-poste. Moi, franchement, m'énerve. Ouais, ouais, ouais. Je trace ma route. Les routes se rasoirent. Notre base est en péril. Moi, on est mort. On est attaqué. Normal. Si Scott plus les renforts, ça arrive pas mal. Pour l'instant, on essaie de défendre. Hein. On va pas attaquer. Ma pousse est pas. Il y a pas mal d'unités qui circulent. Ouais, ouais, ouais. Je vais y aller. Un guerrier est tombé. En plus, ça rapporte de la tuerie. Ouais, ouais, ouais. Restez à votre volonté de fer. Partons au combat.
Couvrez-moi ainsi. C'est un miroir en canon. On prend ce qu'il nous faut. Bah, le Jeep, c'est trois mirations, hein, suivant les... la récupération des caisses. La première mission, c'est le canon, la deuxième, le... Partons au combat. Le lance-missile, et après le lance-missile de mer rouge. Je roule toujours. Là, qui rate très très souvent, enfin, quoi? Très très peu, ça c'est... Oui, je sais. Ça peut arriver, mais c'est... C'est moins risqué. Les troupes chinoises s'approchent. Ouais, elles doivent chercher le convoi. Préparez-vous au combat. Lance-missile dedans, comme ça, ça fera des unités en garnison. Un guerrier est tombé. J'obéirai. Si bon, sans, il a pas l'air de lancer. Tant mieux. Char Scorpion. Attrapons ces justes. Je suis courageux. Félicitations, général. Vous avez pris du galon. Char Scorpion. J'ai compris. C'est bon. J'ai ce qu'il faut pour les marches. Je suis courageux. Je me dépêche. Voilà, ça se comme fait. Vous voudrez. Je le ferai. Tranquille. Comme vous voudrez. Bon. Hein? Oui, oui. C'est pas vrai. Véhicule là, par contre, je vais essayer de. Mon véhicule est prêt. Prendre pour. Je passerai. Visiter. Donc, ouais, on va faire des jeeps. Hop. Comme ça, on va pouvoir transporter les unités. Oui. Faire des. Bubbles pour capturer. Je vais faire un German Ken. Là. Qu'est-ce que vous voulez hein, le... chaque faction a un héros. Je vais y aller. Une unité spéciale. C'est Jarmel. Je suis qu'un paysan. Capacité de snipe. D'accord. Je vais travailler qu'un paysan. Et les pilotes, enfin des, ouais, on va dire les pilotes des véhicules. On va récupérer les véhicules. Donc c'est intéressant si on joue contre la Chine ou la Géla, on peut récupérer leur engin de construction et donc leur technologie. Je suis en route. Je que la Géla, c'est un peu plus compliqué hein, parce que. Ça a des ouvriers, donc on peut pas vraiment cliquer leur technologie. Un guerrier est tombé. Vous voyez un tunnel là, c'est vrai que j'avais oublié. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, le brouillard de guerre, il retire les unités, mais on voit notre base est attaquée. Je trace ma route. Il y a un pion qui a volé là. Je suis qu'un paysan. Je vais y aller. Il n'y a pas assez de place ici pour construire. Généralement, c'est les buggy. Enfin, les jeeps plutôt. Je peux pas ici. Mais sur les jeeps qui volent tellement. Char léger de la GLA. Bon, ça se défend quand même. On va essayer de faire un deuxième comme un missile. Et on va s'atteler à faire une armée. Hein. On va essayer de prendre. Oui, chantier des constructions de la map, c'est pas mal. En plus, ça dure trop longtemps la mission. Là, ça fait déjà un certain moment. Il n'y a pas de meilleurs outils. Je perforge le prochain qui bouge. Donc voilà, plus je construis de... Plus je construis les tunnels nous protégeront. De marché, plus j'aurai de thunes. Donc là, j'hésite pas. Hop. Par contre, celui-là, il a disparu. Là, le... Ne me frappez pas. J'ai peur de rien. Il est là. Je vais y aller. Bon, on va y aller. Des, notre courage, le rendez-vous de tous. Par contre, la particularité, c'est que les unités intérieures ne tirent pas. J'ai entendu. Même vie de. Autre chose. Des Chinois. Des Américains. Les unités Géla, ils ne tirent pas. Pour les masses. Hop, on va foutre ça. En place pour le cycle de lancement. Hop, on va remettre. Je me mets à porter. Les troupes chinoises s'approchent. Elles doivent chercher le convoi. Préparez-vous au combat. Un guerrier est tombé. Donc, en cherchant des chinois, eux ils ont des attaques canons là. Et qui tirent. Notre terre est menacée! Un guerrier est tombé. Bon, un peu avec les IA, c'est une tendance à avancer. Ce unité là doit rester en retrait. Je suis courageux. Une volonté de fer. On récupère les
caisses. Notre base est attaquée. Je récupère la thune. Oui, compris. Stop, on peut le tirer. Voilà. Donc là, on voit que j'ai quand même pas mal de santé. Je ne l'ai pas positionné. Je ferai mon mieux. Allez, là, ça tire pas. Il y a quand même une gestion de l'environnement. Hein. De rien. Oui, compris. Il a réussi à passer. Je suis courageux. J'ai terminé avec ça. Personne ne se moque de nous. On ne peut pas vivre. Ce qui est bien, c'est que les unités, les trucs toxiques, ça fait quasiment rien sur les. Nos foyers sont en danger. Si c'est ce que vous voulez. Il n'est pas amélioré, hein. C'est de base. Je vais le faire. Ces toxines sont de base. Comme vous voudrez. Je dois faire un truc là pour défendre. Donc là, les améliorations là, vont être très utiles. Hop. Donc là, les lance-roquettes, plus 25%, les buggies, ouais, plus 25% de ressources, et il y a aussi le scanner. J'ai terminé avec ce ça va peut-être me servir pour essayer de repérer le scut. Même si là, bon, j'ai pratiquement 95% de la map qui a été découverte. Ouais, et puis cette partie, on va essayer de la prendre. Donc là, les chips sont prêtes. On va les positionner. On est en route. Sachant qu'il y a un tunnel là, qui est important, un tunnel ici. Après il y a sa base là. Nous avons plus de munitions de... maintenant. Si, il y a peut-être une entrée par ici, mais pareil, ça doit être défendu. On va continuer à attaquer. Me poussez pas. Je vais les écrabouiller. Je vais les écrabouiller. Ce qui est bien, c'est qu'il attaque là avec nous. C'est normal. On va juste déployer des lignes. Notre base est en péril. J'ai pas la patience pour ça. J'ai pas la patience pour ça. Je vais y aller. Donc là, je commence à avoir une bonne armée. Hein. On va quoi peut-être positionner pour défendre. J'ai pas la patience pour ça. On va commencer à attaquer après. Hop, là, j'ai 311 000, donc on va pas se gêner. Hop, on va faire. Notre clan est fort. On prend ce qu'il nous faut. Quoi? J'ai peur de rien. Un guerrier est tombé. J'ai très faim. Il n'y a pas assez de place ici pour je construire. Il y en a un qui traîne ici. Je suis qu'un paysan. Puis c'est un peu. Je fais ce qu'on me dit. Un peu mal en point. On va le mettre dans le tunnel pour qu'il soit soigné. Ne me frappez pas. On va mettre là. Pas assez de place ici. On encore ne peut pas vivre en tunnel. Paix. Je vais tâcher de faire marcher. Quelle chaîne voulez-vous, là, général? On a l'amélioration. Je pense qu'il est là. Ouais, il est pile dessus. C'est ce qui me semblait. Ils ont tendance à le mettre le plus loin possible. Leurs armes spéciales. Donc heureusement qu'ils tirent pas hein, pour l'instant. On va pas décider à vouloir bousiller ma base. Scorpion prêt à on va pas se plaindre. Donc voilà, j'ai 4 quads. Notre terre est menacée. On va essayer en défense. Et lui, ça sert bien à défendre. Par contre, j'y pourrais être essayé de... J'ai pas la patience de faire ça. Je vais y aller. Je les tank. Ouais. Me poussez pas. Ouais, j'ai toujours mon jeep là. J'ai réussi à être préparé. On est en route. Je crois qu'à partir du numéro 2. Non, même pas. C'est juste que j'ai fait la technologie pour. Voilà, ça se permet de réparer les véhicules. Sinon, faut atteindre le niveau 3 d'un véhicule pour qu'il se répare tout seul. Des bâtiments à capturer ou juste peut-être me déplacer dedans pour que ça soit capturé. On a fait notre boulot. On va s'y rendre hein. On va commencer à faire une petite percée. L'idée ça serait que je prenne cette partie là, celle-ci avec les Derrick pour vraiment être à l'aise niveau thune. On a fait notre boulot. Je vais y aller. On pourra lui marcher dessus hein, je pense. Je ferai peut-être mon même mieux. Pas hésiter à balancer les lance-missiles. Partons au combat. Je vais les mettre en retrait pour pas qu'ils explosent. J'ai pas la patience pour ça. On va essayer de l'autre côté, on va essayer de le détruire.
on va pouvoir commencer à avancer. Je suis courageux. C'est bon. Et là, on va plus. Bon, c'est un peu les unités que je fais assez souvent. Scorpion et quad. Et parfois que des quads. Un guerrier est tombé. Un guerrier est tombé. On fait une mauvaise manœuvre. Hop, on va. Je me dépêche. On prend ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que vous voulez? On va se replier, office. Je ferai du mieux que je peux. On ne peut pas vivre en paix. Je ferai ce que je dois. Volonté de faire. Je me dépêche. C'est bon. Personne ne sera prêt. Notre base est en péril. Un guerrier est tombé. Allez, leur. On a fait des choses. Il faut pas qu'il me rappelle. Je peux avoir des chaussures. Comment s'il vit là? À tout prix, le grand ordre règnera. Courage, pas la tunnel malheureusement. Notre voix c'est juste. Ah si, non. La cause à tout prix. Ah, d'accord. Je vais t'en aller. J'obéir. Il faut vraiment aller si loin. Et qu'est-ce que je fais? Accrochez-vous. On ne peut pas vivre en paix. Je ferai du mieux. Le bâtiment nous appartient. Qu'est-ce que vous voulez? On est en route. Qu'est-ce que vous me voulez? On prend ce qu'il nous faut. Hop, des quads. Nous avons capturé le bâtiment. Ah, j'ai atteint le niveau 5. Donc ouais, on va pouvoir. Hop. Voilà. On va avoir des renforts. On va bombarder l'entrée pour tuer tous les péons. Donc ça serait bien de détruire ça. Peut-être même. Ah, d'accord, je vais travailler. Et puis si ça gêne un peu. Donc, voilà, je savais bien que ces bâtiments pouvaient être tués. Ah, et puis j'ai récupéré aussi le tunnel, donc c'est nickel. Voilà, là j'ai fait le ménage. Ça s'attaque aussi les. Sa caserne en tunnel, donc ça c'est un réseau de tunnels, la grotte de la Gela, en fait ça après au bout d'un moment ça reconstruit le bâtiment. Il faut aussi détruire ça. Scorpion prêt à piquer, je ferai de mon mieux. Je suis notre base est attaquée. Un guerrier est tombé. On a des codes aussi, c'est assez suivi. 4-5 pour les fins dans les bâtiments. Quad, c'est vraiment l'unité faute la plus polyvalente en fait, là, j'ai là. Ça permet de vraiment tout détruire. Personne ne sera de nous. Surtout contre les Chinois ou les Américains qui font ça. Limite faire des quads c'est plus rentable que faire des Stingers. En défense. Sur les missiles Stingers peuvent être. Parfois ils touchent pas ou sinon ils peuvent être annulés. Il y a certains avis de les Américains qui font détruire les missiles. Compris. Je vais tirer avec des balles. Je suis déjà en place au premier pas. Ensuite, c'est à chaque fois. Voilà, à la limite, là, je vais donner. Hop, on va défaire sa base, on va défaire son base. Ils sont pas les bons. J'ai là, voilà, tendance à. Quand même sur lui, c'est plus que normalement, lui ça. Son dépôt directement permet de faire des oubliés aussi. Il a même pas permis de bloquer ça. Moi j'ai bien fait de construire des marches lentes parce qu'au final j'ai même pas eu besoin de récupérer les ressources. Ouais, là il vend tout. Il abandonne. On a gagné. Nous avons achevé notre œuvre. Bien joué, général. Ouais, on a gagné. Bon, ça a été assez simple. Je pensais pas qu'il allait vendre toutes ses unités. Hein.
Une fois que le lit avance, c'est qu'il abandonne. Aïe, bon bah voilà, la mission City s'est terminée. Donc, je pensais que ça durait un peu plus longtemps. Au final, là, je pense qu'on l'a eu pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est correct. Bon, je vais arrêter l'épisode là. Voilà, on va se retrouver pour la mission numéro 7. C'était Diablo, ciao.